bison, ça a des cornes, mais ça tourne pas toujours rond. Un bison, ça a du poil, mais ça sent pas toujours bon. Un bison, ça a plein d'affaires. Un bison, j'en ai vu un hier. Il m'a même donné une brochette. Tu connais-tu ça, les bisons? Moi, je connais ça, les bisons. Un bison, c'est souvent gentil. Sauf quand ça a un gros appétit. J'ai justement une histoire à vous raconter. Elle met en scène un bison et mon ami René en labourant son champ de bière. Alors qu'il faisait une prière, René a découvert un bébé bison. Sa passion pour la religion l'amena à prendre une décision. Ce bison s'appellera Jean-Paul III. Et n'écoutant que son grand cœur, revenu pigeant sur son tracteur, lui donnant ainsi un peu de chaleur dans son cœur. Une grande histoire d'amour vient de commencer, empreinte de tendresse et de fumier. Leur relation donnant une leçon de vie au village, un grand et un petit peuvent quand même s'aimer sur de beaux rivages.